le basilic. Hop, alors là, mon basilic, il est magnifique. Alors, je l'ai mis dans l'eau parce que le basilic, il n'aime pas du tout la chaleur. Et alors, est-ce que tu sais comment conserver tes herbes dans ton réfrigérateur pour les conserver assez longtemps, sans être obligé d'acheter une boîte spéciale et tout ça? Bon, tu veux le savoir? Est-ce que je te le dis? T'as été sage? Bon, allez. C'est très simple. En fait, tu vas prendre un grand plat. En dessous, là, tu vas prendre du papier absorbant. Tu vas le mettre au fond et tu vas le mouiller. Ensuite, tu mets tes herbes fraîches par-dessus et tu vas recouvrir d'un autre papier humide. Et ensuite, tu mets dans ton réfrigérateur, pas dans la partie la plus froide, la partie la plus tempérée, là où on met les légumes, c'est l'idéal. Et ensuite, il faut juste surveiller que ton papier absorbant est humide tout le temps. Parce que s'il est tout sec, eh bien, il ne va pas apporter l'humidité nécessaire aux herbes pour qu'elles soient parfaites. Bon, on en est où de notre pistounade? J'avance pas très vite, hein, dis donc. Alors, bon, on va mettre un tout petit peu de sel. Alors, faut pas en mettre trop, il vaut mieux rectifier après parce que là...